à toi ce matin. Prends toute la gloire pour le bien de ce matin. Prends ta totalité de la place. Nous t'avons exposé pour toi.
Alléluia.
Il est le Dieu des rois, il s'en passe.
Alléluia. Alléluia. Élève la voix là au ciel, bénis le Seigneur pour ses bienfaits. La Bible déclare l'Éternel est grand et est digne de louange. Élève la voix, loue-le avec tes paroles. Lui qui a fait des merveilles dans ta vie, lui qui a fait des merveilles au sein de la création. Lui qui continue à faire des merveilles au milieu des nations. Il est Dieu qui est mort pour toi, ressuscité. Il est Dieu qui te purifie. Il est Dieu qui te lave. Il est Dieu qui te sanctifie. Alors élève la voix, loue-le avec tes mots. Yedababa. Que l'assemblée élève la voix et loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Lui qui t'a sauvé au moment opportun. Lui que tu as invoqué et qui est venu se révéler à toi. Lui qui est venu te montrer sa puissance là où tu l'as vu. Il mérite la louange. Il mérite la reconnaissance. Il mérite la gloire. Souviens-toi de tes prouesses. Ce n'est ni par ta force, ni par tes capacités, mais parce que l'Éternel est avec toi. Ce n'est ni par ton intelligence. Merci pour la vie, merci pour son amour, merci pour le salut, merci pour la plénitude de son esprit, merci pour tout ce que tu possèdes, merci pour ce que tu ne possèdes pas encore. Élève ta voix, tu veux t'entendre ce matin. Et là, les bienfaits du Seigneur. Qu'un homme qui a expérimenté la gloire de Dieu puisse se bénir. Qu'un homme qui a une histoire avec ce Dieu-là puisse le bénir. Ne sois pas ingrat. Mais reviens s'il te plaît, merci. Ne sois pas ingrat. Mais ouvre-lui ton cœur de Dieu, merci. Merci pour ce bienfait. Merci pour sa gloire. Continuez à élever ta voix. Il a tellement fait que les mots ne peuvent manquer. Il a tellement agi que les mots ne peuvent manquer. Si notre amour était proche, il est venu comme un sauveur. Je sais qu'au fond de moi cela arrivera. Qui est-ce?
chose comme toi, Jésus. Le Dieu qui vient, le matin, le moment. Le Dieu qui vient.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Voilà ce que nous te demandons, Seigneur.
Merci parce que tu es là. Console les cœurs de ceux qui nous sont venus. Je suis limité, mais toi, Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Devant, derrière, à gauche, à droite, fais ce que j'ai envie de faire. 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 Si tu veux parler, parle. Si tu veux guérir, guérir. Si tu veux sauver, sauver. Si tu veux approcher, approcher. Si tu veux guérir, guérir. Thank you.
jamais pu se faire ce que nous-mêmes nous ne pouvons même pas imaginer. Et imaginez, c'est que nous-mêmes nous ne pouvons pas penser. C'est que nous-mêmes nous n'avons même pas mis dans le programme. Et imaginez, fais-le. Et imaginez, fais-le, le Dieu de parmi nous. Gloire au Seigneur. Amen.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mettons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. On est dans le temps. Le Seigneur est en train de sélectionner son peuple pour son intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Le petit thème que je peux vous parler, le sélectionner pour l'intérêt du royaume. Amen. Pas pour mon intérêt, yes. Mais pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Amen. J'ai médité, j'ai dit sélectionner. J'ai regardé
fille qui sort parmi les gens. Alléluia. Il y a des personnes qui sont déjà là. Mais Dieu veut choisir encore des gens. Nous sommes tous nés. Alléluia. Mais Dieu veut sélectionner parmi les gens. Pourquoi? Il y a aussi des gens qui se sont autoproclamés. Oh, je dis qu'il y a aussi des gens qui se sont autoproclamés, mais Dieu ne le connaît pas. Mais l'Éternel, il soit, il choisit. Comment? Dans l'équipe nationale, la dernière, il appelle Papa Gilles. Tous les joueurs, que ce soit professionnels, locaux, tout le monde arrive. Tout le monde arrive avec leur hauteur. Mais l'Éternel a juste besoin de vendre. Non, il n'a pas besoin de 100 personnes. Juste être vendé. C'est ça ce qu'on appelle le problème de soi. Alléluia. 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 Soi. Je pose des questions. Est-ce que Dieu t'a choisi? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu t'a choisi? C'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, Dieu a choisi quelqu'un. Dieu a choisi des gens pour son intérêt. Par la grâce de Dieu, nous verrons le choix de Dieu. Alléluia. Nous verrons le choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu, c'est ça qui permettra qu'on voit la distinction. Alléluia. Alléluia. On est tous venus, mais il y aurait un problème de distinction. Parce qu'il y a le problème des choix. Alléluia. Parle, fais ce que tu veux. C'est pas peur. Mais c'est un problème de choix. Crier, parler, mais c'est un problème de sélectionner. Alléluia. C'est le. Alors Dieu a sélectionné. Amen. C'était ça que je voulais vous parler. Le sélectionner pour l'intérêt du royaume. Que le Seigneur nous bénisse. J'appelle le pasteur Patrick. Amen. Alléluia. Nous avons notre orateur qui vient d'arriver, qui va nous parler pendant quelques minutes de la parole de Dieu. Alléluia. Je laisse la place au pasteur Eli. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Moi, je suis chez moi. Hein? Amen. Voyez, pardonnez-moi pour le retard. Bon, moi, vous savez que moi, je bombarde les gens. Donc, je suis venu te bombarder. Vas-y, papa. Saint-Esprit, merci pour ta présence en Seigneur. Amen. Fais-nous du bien. Le centenaire avait dit seulement un seul mot. Seigneur, pardonne-moi pour mon retard. Et là, est-ce que tu adresses un mot qui pourra encourager, qui pourra fortifier, édifier?
Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Bon, j'ai 5 minutes. Le Seigneur m'a donné une seule parole. Ok? Je donne la parole, puis je m'assois. Avant de commencer, je dis merci à papa. C'est un honneur d'être ici à chaque fois. Et à mes amis. Et ce que je vais te dire tout de suite, Dieu vient de me confirmer ça maintenant, là, tout de suite. Voyez Dieu comment il est bizarre, hein? Dans cette salle, il y a mon, je ne sais pas si je peux l'appeler mon grand-père, ou mon oncle, ou c'est ma famille. Et dans l'esprit, et dans la chair. C'est le grand frère à mon père. C'est comme si c'était lui qui m'avait élevé. Et dans le chemin du Seigneur, c'est l'une des personnes qui a trop fait pour moi. L'apôtre aimé. Ça, c'est mon papa. Pourquoi j'ai dit que j'allais le présenter? Parce que aujourd'hui, les gens qui servent Dieu n'ont aucune référence. Or, il est impossible d'être appelé par Dieu si on ne vient pas de quelque part. Maman, tu es trop belle aujourd'hui. Hein? Mais sache que dans le chemin où tu rentres, là, la beauté elle n'aura pas où. Donc je disais, impossible de servir Dieu si on ne vient pas de quelque part. Vous comprenez? Moïse venait de quelque part. Les gens croient que Moïse est sorti de nulle part. Non! Pour Moïse, il y avait Jéthro. Quelqu'un comprend? Jacob, là-bas, les disciples, Jésus, et même Jésus lui-même avait quelqu'un. C'est qui? Jean-Baptiste. Et je pense que Jésus est sorti. Paul, les gens aiment Paul. Oh, Paul avait dit, Paul avait fait. Paul est sorti de quelque part. La Bible dit qu'il y avait un maître qui s'appelait Ananias. La première chose pour quelqu'un qui veut servir Dieu, tu dois sortir de quelque part. Maman, je dis merci à Dieu que tu sois sorti de quelque part. Mais ce que je veux te dire, n'abandonne jamais de là où tu viens. Tu dois garder le contact avec la source. Le danger des serviteurs d'aujourd'hui et des chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez sortir de nulle part. Vous voulez les Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, Dieu c'est. Non, Dieu parle par les hommes. Quelqu'un comprend? Et surtout qu'on m'a dit depuis la dernière fois que tu entres dans le ministère prophétique. Ça c'est mon ministère. Et moi Dieu m'a mis comme gardien de l'ordre dedans. Parce que surtout chez vous les prophètes, il y a trop de bêtises là-bas. Quand vous parlez au nom de Dieu, on ne peut rien dire. Un vrai bon. Écoute-moi très bien maman. Écoute-moi. Je ne jure pas. Un vrai prophète, c'est une personne. Un. J'ai donné 3 points. Un qui sait où t'es Dieu. Ok? Mais pour apprendre à écouter Dieu, un prophète doit être au pied de quelqu'un qui a déjà écouté Dieu. La Bible dit, Samuel était. Oh ma chatte, Samuel était dans l'église du pasteur Élie, le sacrificateur Élie. Maintenant suivez, le sacrificateur n'était pas un bon pasteur. Ses enfants n'écoutaient pas. La Bible dit même qu'il n'y avait plus la vision là-bas, il n'y avait plus la lumière là-bas, il n'y avait plus ceci. C'est comme les chrétiens aujourd'hui. Non, mon pasteur, ça ne va pas. Il n'y a plus d'onction, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Hey, c'est pas ça le problème. La Bible dit, Samuel était là. Et Samuel, le jour où Dieu vient lui parler, il ne dit pas Dieu m'a parlé. Il va voir qui? Élie. On n'est jamais prophète quand on ne vient pas quelque part. Amen. Tu dois savoir écouter Dieu. Mais la deuxième chose, il faut que
qui t'a appris à écouter Dieu. Amen. J'ai une chemise de bombardier. Le jour où Samuel a dit à Élie, j'ai entendu une voix. Cette voix m'a appelé. Vous savez ce que Élie lui a dit? Va, couche-toi. Première fois. La deuxième fois, pareil. Va, couche-toi. La troisième fois, c'est seulement à la droite. Moi, je suis étonné, papa. Dieu t'appelle aujourd'hui, tu pars maintenant. Non! Avant que tu partes, il doit y avoir trois fois. La première fois, tu pétais. La deuxième fois, tu pétais. La troisième fois, l'homme de Dieu te dira. Maintenant, quand Dieu viendra, tu lui diras. Parle, ton serviteur, écoute. Vous savez, moi, à l'église, j'ai fini déjà. Il reste un seul point. Moi, à l'église, quand un chrétien vient me dire, papa, Dieu m'a dit, tu me dis ça. Dieu, toi, tu es qui me dit de quoi? Il est là-bas à côté. Tu as quoi? Il est là-bas. Pasteur, j'ai rêvé. Tu n'as rien à rêver. Maintenant, la troisième fois, le sacrificateur lui dit, va, mais cette fois-ci, lorsqu'il viendra, tu lui diras, un prophète s'est écouté, deux, un prophète a une origine, trois, un prophète connaît Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois être au pied de, écoute, nous sommes venus, nous parlons pour notre maman, mais même toi qui es dans la salle, tu dois avoir un pasteur avec une église. Parce que s'il n'y a pas ces choses-là, Dieu, tu ne le saisiras jamais. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait. Toi, tu as vu Dieu où? Tu le connais où? Moi, je peux te dire, Dieu, je le connais. Papa est là. Moi, je le connais. Pourquoi? J'ai été au pied des hommes qui le connaissent. Demande à ton père, je vis des combats. Les vrais hommes de Dieu sont ceux qui vivent des combats. Servir Dieu, c'est servir Dieu. Mettre l'adversaire premier du diable. J'ai fini. Bon, il y a Maxama. Je t'ai pas vu. Moi je passais relax. Les gens croient que servir Dieu, c'est... Non, non, non. Servir Dieu, c'est une charge. Voilà pourquoi je terminerai en disant cette chose. Nous qui sommes dans la salle, enfants de Dieu, chrétiens, apprenez à honorer et respecter les hommes de Dieu. Amen. Les vrais, il faut les respecter. Amen. Parce que vous ne savez pas les défis et les combats qu'ils mènent. Une femme dans mon assemblée, papa, cette semaine, a été atteinte de la folie. Vous comprenez? La folie. Comme je te parle maintenant, tout est revenu en ordre. Normal. Tu sais pourquoi? Je suis allé combattre pour elle. Je suis entré dans le monde de l'esprit. J'ai vu l'esprit de folie. Et dit, toi, allez, dégage. L'esprit m'a répondu, elle est à moi. Je lui dis, caca! Va-t'en! J'ai vu l'esprit venir me saisir. Et moi aussi, j'ai crié jusqu'à ce qu'il est parti. Le matin, le mari m'a dit, pasteur, ça va. Il s'en va. Moi, je mange ici, pas ça va. Servir Dieu, maman. Tu vas vivre des choses. Quand papa m'a dit, j'aimerais que tu dises un mot pour l'ordination, j'ai pleuré. Parce que vous savez, tous les messages du monde sont des messages de joie. Mais le jour où tu parles à quelqu'un pour qu'il entre dans le service, il faut lui dire toute la vérité. Amen. Je ne peux pas te cacher. Amen. Servir Dieu. Quand vous voyez des papas comme apôtres aimés, plus de 40 ans, des papas comme ça, il faut le respecter. Parce que vous ne savez pas les défis que nous relevons dans le monde de l'esprit. Les fils sont là. Papa, une femme vient me voir. Elle me dit, oh, ma fille est dans le coma. Et alors? Et papa, prie et doit se réveiller. Ah! Moi, je ne suis pas médecin.
dis au médecin, il s'en occupe. Il dit, papa, prie. Le dimanche, je me suis levé devant l'église. Il dit, c'est quoi son nom? Nancy. Je dis, le monde des esprits, écoutez-moi. J'ordonne à Nancy de se réveiller. Pendant que je parlais, elle s'est réveillée. Maintenant, sa maman m'a donné le sujet et elle a donné le sujet aussi à sa famille à Kinshasa. Sa famille à Kinshasa l'a appelé. Ils disent, dans notre église aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Il a dit que ta fille est réveillée. Mais nous sommes en train de voir un pasteur. Il est petit. Il est beau. Il est costaud. Je te dis ce qu'on m'a dit. C'est pas moi. C'est un jeune. Donc, il est petit, il est beau. Et vous savez, écoutez ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, le pasteur est entré dans le monde des esprits pour aller chercher ta fille. Vous comprenez? Serviteur de Dieu. Quand moi je vous vois ici, toi tu vois l'église, moi je vois les esprits. Amen. Voilà pourquoi dans mon église je dis, il ne peut rien t'arriver devant moi. Parce que moi je traite avec les esprits. Amen. Maman, le monde où tu rentres là, c'est ce monde-là. Sois une femme de sainteté, de prière et d'obéissance. C'est le secret de la réussite. Prière, sainteté, obéissance. N'écoutez pas tout ce qu'on dit. Oh, l'onction, il n'y a rien là-bas. Oh, il n'y a rien là-bas. Si tu veux être fort, reste au pied de l'homme de Dieu. Sois toujours à genoux. Les gens, oh non, moi aussi je suis devenu prophétesse. D'ailleurs, le dimanche, là, j'ai donné 4 prophéties. Et amen. Toujours au pied. Mon papa est là. Même quand lui vient à l'église, je suis en plein culte. Même si je prêche, j'arrête. Papa, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Église, nous acclamons, nous dit, laissez s'asseoir. Quand il a fini de s'asseoir, je peux répondre. Ceux qui savent, je viens très souvent ici, je vous dis, moi je déguise des églises. Vous comprenez? Mais quand mon papa vient, je suis dans la foule comme tout le monde. J'oublie, oh non, pasteur Elie, général, c'est pas mon problème. Quand cet homme est là, je m'assois. Cette fois-ci, il m'a dit, petit, ok, je vais rester ici 3 mois. Il dit, ah! Quand il est là, tout, c'est pour lui. Tout, je lui donne. Pourquoi? Je reste à la source. Maman, tu veux l'onction? Tu veux ou pas? Oui. Amen. L'onction se trouve au pied du maître. Amen. Je vois, j'ai fini. C'est bon. Ah, j'ai fini. Je ne vais pas la faire pleurer quand j'ai fini. Je vois les gens prêcher ici. Oh, l'onction. Non, la vraie onction. Comme papa Joseph t'appelle. Oui, papa. Amen. Oui. Amen. Oui, je suis là. Je suis là. C'est bon, il t'appelle. Papa, il est 3h du matin. Et après? Non, et après? Parce que Dieu t'a mis auprès de lui, parce qu'il sait, et Dieu ne se trompe jamais, il sait qu'au travers de lui, il y a une particularité que tu dois avoir. Si tu te déconnectes, c'est fini. Tu deviendras comme tous les jeunes pasteurs, les prophètes qui sont là, là. Ils sont là, ils font des réunions entre eux. Ça ne marche pas, ils sont seulement là. Pas d'onction, pas de succès, pas de réussite. Mais si tu restes au pied du maître, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est choqué. Il dit, hé, pasteur, maître, oui. Le pasteur, c'est ton papa, c'est ton maître. Amen. Tu dois rester à ses pieds. On ne dit jamais non au maître. On était dans la voiture. Je viens de faire un culte grave.
Et j'étais trop fatigué, je dormais. Maintenant, il m'appelle. Il me dit, pasteur, réveille-toi, réveille-toi. On t'appelle, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je dors, débrouille-toi. Il me dit, mais on m'engueule. Je dis, mais accepte. Tu vas voir. J'ai la paix. Je l'ai. Lui, il ne devait pas être avec moi. Il dit, c'est pas mon problème. Tu me suis. Parce que quand l'homme de Dieu fait ça sur toi, il est en train de te former. Amen. Il est en train de te tuer. Aujourd'hui, maman, je prie. Le comateux se lève. Le paralytique marche. Une femme est venue il y a deux semaines dans mon ailleurs, deux mois pardon, dans mon assemblée avec un cancer du sein. Elle me dit, pasteur, j'ai le cancer du sein. J'ai dit, et après, tu veux quoi? Vous venez me donner des sujets, mais je ne suis pas médecin. Le pasteur, pardon. Ça sert à une pasteur pitié. Il dit, ok, va voir le médecin. Ce qu'il te dira, tu viens me dire. Le mercredi, elle vient me voir. Le médecin lui a dit, le cancer a disparu. Ouais. Une autre avait du mal à faire des enfants. Parce que, pardonnez-moi, son utérus était trop petit. Elle n'avait pas les utérus développés. Ça va, maman? Elle vient me voir, elle dit, pasteur, j'ai appris que quand toi tu brises, ça marche. J'ai dit, ah bon, hein? On va essayer. Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux des enfants. Je dis, mais fais. Allez dans la chambre. Tu veux que ça aussi, je te montre. Il dit, non, pasteur, mon, c'est petit. Dis, mets-toi à genoux. Elle s'est mise à genoux. J'ai prié. Il dit, Seigneur, si réellement tu es avec moi, fais grandir son truc là. Elle est allée voir le médecin. Le médecin a dit non, on opère. Quand ils ouvrent comme ça, devant les yeux du médecin, l'utérus a grandi. L'utérus a coupé, a grandi. Maman, reste au pied du maître. Reste obéissante. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Je vais t'inviter, toi qui es là, de préparer ton offrande afin que nous puissions passer au service d'ordination. Prépare ton offrande rapidement et viens donner à Dieu ce que tu as prévu pour lui. La Bible déclare ne pas présenter devant Dieu les mains vides. Alors lève-toi dessus, là où tu es, rapidement. J'invite les chants rapidement et viens donner ton offrande avec joie, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Rapidement, s'il vous plaît. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Tout ça pour toi, la terre, la terre.
bénédiction quand vous avez des événements comme ça. Si Christ ne revient pas, on va continuer. Alors, la situation se prépare. Amen. Donc, quand les gens accèdent à la maison de Dieu, à la vision de Dieu, c'est une grâce. Et j'ai deux défauts. Si on fait les défauts, moi je les dis. Premier défaut, je dis toujours la vérité. Amen. Et le deuxième défaut, je suis intransigeant aux choses de Dieu. Amen. Parfois j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'ennemis, beaucoup de temps. Et moi je m'en fous de ton avis, tant que je suis en accord avec Dieu. Alléluia. Donc ces deux défauts-là, mes amis, fils et mes frères, il faut les garder en tête. Les frères Jésus que vous voyez là, ces deux-là. Il dit, quelle est la vérité? Même si ça te fait mal, je te le dis la vérité, bien et en face. Et le deuxième défaut, intransigeant. Ma femme, j'aime beaucoup mon épouse. Je l'ai dit. Hein. Mais aux choses de Dieu, si elle adore, je les fais vous avoir. Moi, je suis comme ça. Donc, c'est ça. On est réunis aujourd'hui. Le deuxième événement de la consacration de l'Église d'avoir des tamales. À l'occasion de la sœur et le diacre qui va accéder à cette vision. Retenez bien ces deux défauts. Amen. Vous allez dire, oh non, lui il n'a pas dit, je l'ai dit. Je le répète. On peut faire la fête. Moi je suis comme ça, on peut faire la fête aujourd'hui, mais s'il y a un défaut, je l'ai dit. Après, quand il faut, je l'ai dit. Même si tu soulèves contre moi, même si c'est toi ma femme qui m'est nourrie, je préfère aller manger un grec. Mais te dire la vérité en face. Parce que le jour là au paradis, je resterai tout seul. Amen. On a la sœur Ange, que certains d'entre nous connaissent, qui a eu le frère Alain, qui a réuni tout ce monde-là, en collaboration avec Dieu. Avec plaisir, je vois, j'ai mes fils, mon papa et mes amis. Ils sont tous réunis à l'occasion de cet événement. Pasteur Cédric, l'un des fils de la maison. Amen. Et l'autre fils qui vient spécialement de Belgique pour toi. Dieu gracias. Levez-vous quand même. Amen. Il est jeune, mais aimé dans la consacration. Le pasteur Patrick. Je saute. Parce que lui, on va récréer quelque chose. Amen. Gentiment. J'ai un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Amen. Prophète Joseph Anderson. Gloire à Dieu. Dans la famille, il y a. J'ai toute mon équipe. Vous savez, la force d'un chef, c'est quand il est bien entouré. Amen. Ah ouais. Je vais passer les rires. Et une combattante que j'appelle combattante, parce qu'elle croit toujours en moi, dans le moment de bonheur pour mon église. Cette servante de Dieu. Amen. Même quand je traversais le désert, les deux jours là, elle disait voilà. Pour moi, maman fidèle. Il y a ça, il me dit, soeur à la foi, tout s'est ajouté, ça coche sur la foi des mamans. Soeur de vous. Amen. Lui il a dit, ce sont ton tour, c'est son coco, et moi je ne crois pas. Papa. Là où je viens, mon père spirituel, il est
connais très bien. Dès que comme je suis arrivé, je lui dis, je sors de faire ma immorale, je connais. Donc, quand on parle de l'église des réveils en France, nous aussi, j'ai grandi dans la France à Paris, on a connu les gens qui ont fait l'église des réveils en France. Il y avait le pote le pasteur Maïmona, le pasteur Emmanuel Boutolo, le pasteur Boulamba, le pasteur Maïmona, et papa et lui, ils font partie de ces gens-là. Donc si aujourd'hui nous, on a le pouvoir de faire des églises de réveil, c'est comme ça. Amen. Amen. Pour voir qu'il y a une bénédiction, ce jour ici, il y a notre ami. Pasteur, je dis, je reviens maintenant à mon fils. Pourquoi? Parce que moi je prépare les choses dans la prière. Et dans la prière, on voulait que ce soit lui qui nous exhorte ce matin. Et quand il n'arrivait pas, j'étais entre énervement. Et je vois, parce que après je voulais qu'il arrive. Je vous remercie qu'il soit là. Pasteur. Amen. Ce que j'aime ma vie, c'est qu'il a toujours ses fils à ses côtés. Amen. Amen. Il a rajouté le désir. Et le monde. Amen. Amen. Voilà. Peuple de Dieu. On ne peut pas passer à la période d'ordination sans remercier la famille. Levez-vous juste pour quelques secondes, levez-vous vite la famille. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on fait le remise de diplôme, ton fils qui devient docteur, on dit toujours merci à la famille parce qu'ils ont si élevé cet enfant-là pour qu'il arrive à ce niveau-là. Merci à vous, famille, parce que c'est un honneur. C'est plus que le diplôme de doctorat que votre fille a. C'est grâce à vos conseils, grâce à vos soutiens qu'elle a fait aujourd'hui, que Dieu fait grâce, qu'elle se retrouve parmi ceux que Dieu a appelés. Je vais préciser une chose. Nous faisons une célébration. Mais la consacration, le fait d'être mis à part, c'est Dieu qui le fait. Amen. Parce que les gens qui disent, voilà, j'étais consacré. Non. On va ordonner. Mais Dieu a dit dans sa parole, il a mis à part certaines personnes pour son choix qui lui est approprié. Et nous, on ne fait qu'approuver cela par ce qu'on appelle l'approbation d'ordination. Donc, je disais tout à l'heure, il y a une sœur qui s'appelle la sœur Ange, qui est baptisée par immersion depuis 2000, Chassa. Et cette sœur, elle est mariée et mère de 6 enfants. Oui. Il est fille de Monsieur Albert et Madame Elisabeth Mouir. Il a fait un long parcours, parce qu'après on va se poser la question, mais d'où il vient? Elle a travaillé d'abord en tant qu'intercesseur à une église de Siloé Tabernacle à Kinshasa. Et dès son arrivée à Paris, Dieu a fait grâce de rencontrer la voix de l'Éternel, cette église, où il a fait travailler en tant que d'abord intercesseur. Il a pris la responsabilité de la jeunesse, la responsabilité d'intercession, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est responsable du département des mamans. Et prêche la parole. Ce n'est pas juste prophétiser, mais depuis mars 2007, elle prêche la parole. La sœur Ange. Dans les prières, l'orientation du Saint-Esprit, Dieu nous a orientés et puisse accéder au ministère prophétique. On ne peut pas avancer. Dans la première célébration,
on avait consacré ce qu'on appelle le ministère des diacres. On a une diaconesse qui a été consacrée la dernière fois. Et dans la même orientation, on aura le diacre Alain. Amen. Il va célébrer. Amen. Oui. C'est quand on parle de fils, alors c'est les fidèles parmi les fidèles. Il a commencé l'église avant l'éternel. Dans tout le moment des épreuves, des tribulations, il s'accrochait, il croit à son pasteur. C'est le secrétaire de l'église depuis très longtemps. Il passe des annonces et il assigne pleinement sa fonction. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, il va accéder. Et vous invitez les diables.
J'aime dire que ceux qui ont cette grâce, les apôtres, et le prophète, d'avancer, entourer, d'avancer, apôtres et prophètes, ceux qui vous avez cette grâce.
On va déclarer dans le nom de Jésus. Prions tous. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur, recevez cette grâce, recevez cette grâce, recevez cette grâce, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez cette grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom Amen. Prophète Daniel. Seigneur notre Dieu, devant ta présence. Éternel notre Dieu, devant ta présence. Les hommes et femmes que tu as prédestinés à l'exercice de la continuité des lèvres de la parole viennent du devant de toi parce qu'ils ont entendu ce que tu as dit. L'heure vient. Seigneur notre Dieu, tu as dit l'heure vient. Et cette heure-là est déjà venue. Car avant que les gens comprennent qu'il y avait le temps, tu étais à l'heure du temps. Éternel notre Dieu, nous te disons gloire. Tu n'as pas regardé à notre petitesse et à notre faiblesse, mais tu as voulu que nous soyons mis à part. Voilà pourquoi je bénis pour le peuple de Dieu présent ici, pour l'unité, la communion, la foi. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui tu te choisis une femme et un homme. Seigneur notre Dieu, maintenant nous retournons vers toi. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale, Jésus dira, et il a inversé la façon de prier. Il a dit simplement, Seigneur, Père, Père et Père, toi qui es dans les cieux. J'ai cherché à comprendre, et il dira à ton corps, que ton nom soit sanctifié. Jésus ne s'arrêtera pas, mais il va continuer à parler, que ton règne vienne. Ah, celui qui a bâti l'église dira à la fin que ta volonté soit faite et moi du paradis. Éternel notre Dieu, quand Jésus dira que ta volonté soit faite, il a voulu d'abord que la volonté de Dieu rentre dans la vie de hommes et de femmes qui le servent. Dieu ne pourra jamais régner dans ta vie si sa volonté n'est pas dans ton existence. Alors et tu serais rentré dans la volonté de Dieu. En ce moment-là, le règne de l'Éternel vivra en toi. Ah, l'inversion de la compréhension du terme de la parole. Il faut d'abord qu'il y ait un royaume pour que le règne soit. Mais Jésus a commencé par dire, toi qui es dans les cieux. Or, en disant que dans les cieux, il a voulu simplement dire qu'il a été avant l'alpha et il est encore après l'oméga. Le jour dans l'église, que la parole de l'alpha, Dieu n'est pas l'alpha, il a été avant l'alpha. L'alpha c'est la déterminance, l'alpha c'est une date. Oh, quand on dit au commencement, la Bible que nous prêchons commence par le commencement, mais le commencement c'est une datation. Le Dieu que nous servons a été avant le commencement. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu, il nous a donné la capacité, il nous a mis à part. Non pas pour vous, mais à cause de ma parole. Maintenant, nous exerçons l'exégèse de la parole de Dieu. Nous avons compris, en demeurant avec Dieu, que la parole que nous prêchons n'a pas autre chose,
n'a que la thématique et le textuel. À partir de ce moment-là, Dieu est manifesté dans nous. Nous voulons maintenant donner. La Bible dit, c'est que Dieu, je te le donne. Qui t'a appelé hier, pasteur? Qui t'a appelé hier, femme mariée? À partir d'un moment où un homme est passé dans ta vie. Aujourd'hui, notre Dieu est passé dans la vie de notre soeur. Aujourd'hui, notre Dieu est passé dans la vie de notre frère. Maintenant, au travers de ce serviteur, comme l'avait dit tout à l'heure mon pasteur et nous, mon fils, je l'appelle mon pasteur, parce que je considère qu'aujourd'hui, quand bien même je lui ai donné la vie, nous combattons dans la même équipe. Il est comme moi. Je ne suis pas plus que lui. C'est que je sais que je suis entré. En ajoutant plus un, je rajoute sur moins un. C'est-à-dire, tous les jours qui passent, j'ai un jour de plus et je me réjouis. Chaque jour qui passe, j'ai un jour de plus pour me sortir. Si Christ ne venait pas dans notre temps. Oh, voilà pourquoi je bénis mon fils. Parce que même si je ne suis pas là, l'empreinte de la réalité spirituelle, l'empreinte du savoir de l'esprit demeurera. Oh, si nous parlons de Jésus aujourd'hui, si nous parlons de Jésus aujourd'hui, c'est parce que l'empreinte était restée. Si l'empreinte n'était pas restée, on ne parlerait pas de Jésus. Voilà pourquoi les hommes et les femmes qui sont appelés au travers de nom, Dieu a ouvert les yeux de notre pasteur. L'homme de Dieu a vu 2007-2015, ça fait 8 ans. Attendre 8 ans, ce n'est pas facile. Attendre 8 ans, ce n'est pas évident. Mais Dieu dit dans sa parole, je souhaite. Dieu n'a pas dit je veux. Dieu dit je souhaite que toi tu prospères. Dieu n'a jamais dit je veux. Parce que la volonté de Dieu n'est pas là. Ce n'est qu'un souhait. C'est à toi de prendre ou de refuser. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi qui rends le venu. Mais il était déjà venu. L'heure a existé. Si tu refuses là maintenant, nous ne poserons pas de main pour te faire entrer. Parce que l'heure est encore là où tu me dis non, je ne me sens pas encore prêt. Alors si tu le dis, donc Dieu a trompé son serviteur. Mais si tu es enfant de fils d'eux, comme on dira toujours de qui toi tu es la fille, de qui tu es toujours le fils. Tu ne peux jamais être de la génération spontanée. Quelles que soient les situations, tu dois appartenir à un père. Voilà pourquoi maintenant, par l'ordre du père, du responsable, du conducteur de cette assemblée, appartenant au corps du Christ, toutes les autorités ecclésiastiques réunies en ce lieu, en cette journée dominicale, prennent la décision. Je bénis l'homme de Dieu, car c'est la deuxième fois que je participe ici en ce lieu, en imposant mes mains sur les hommes et les femmes, qui aujourd'hui deviennent hommes, femmes, serviteurs et servants de Dieu. Aujourd'hui, c'est aussi toi, maintenant nous donnons l'homme, car je vous dis, il se trouve dans le ciel. Or le rôle de l'Éternel, c'est dans les cieux. Dieu dans les vacances. Oh, comprenez, Dieu dans les vacances. Il nous a donné, nous, l'autorité, le pouvoir, pour la continuité de l'axe de l'esprit et du service. Dieu est dans les vacances. La Bible dit, le septième jour, Dieu se reposa. Donc, Dieu se repose. Maintenant, c'est toi. Maintenant, c'est moi. Il y a des choses que l'Éternel ne fera pas, si ce n'est que par tes mains, si ce n'est que par ta bouche, si ce n'est que par ta prière. Dieu ne fera rien. Maintenant, c'est toi. C'est toi. Tu l'appelleras. Mais tu as déjà répondu, je t'enverrai. Je t'enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, afin que toi tu sois là, afin de te souvenir ce que moi je dis. Il a déjà tout dit. Tout est rentré dans la révélation. Mais la seule chose qu'il n'a pas révélé, pas sur ce jour. Là, il n'a pas révélé. Il a appelé lui-même mystère. Mais on ne parle pas de ce mystère aujourd'hui. Aujourd'hui, nous en sommes en train de dévoiler un mystère parce que nous appelons notre sang. Nous appelons rentrer aujourd'hui dans le ministère prophétique. Donc, elle fait partie de 5 ministères de l'Église. Maintenant, à partir de maintenant, nous donnons l'homme à notre Père. Parce que comme son royaume est en nous, comme il règne dans notre vie, comme il demeure en nous, comme Dieu ne fait jamais les choses à moitié. C'est-à-dire, il a commencé par dire un jour que vos cœurs
les temples n'existent plus. Les temples n'existent plus aujourd'hui. Mais comme Dieu ne fait jamais les choses à moitié, il a pris les pierres de la temple. Il a pris les pierres qui se jetaient dans le temple. Il a mis ça dans le cœur de chacun de nous. Voilà pourquoi il a dit, je n'habiterai jamais. Les maisons faites de mains des hommes. Parce que moi j'ai créé la terre, j'ai créé les cieux. Et la terre c'est le marchepied. Je ne peux pas habiter cela où je suis. La bêtise et la saleté. Mais non, mais parce que je l'avais accepté. Parce que j'ai accepté la prière de David. Je prends la pierre. Je prends le bois. Je mets dans ton cœur. Pour que toi, qui es le temple de l'esprit, promène avec ma parole. La Bible nous dit ceci. Nous avons le pouvoir. Aujourd'hui, à cause de main, de la prière des hommes de Dieu, le ciel nous écoute. Je donne l'homme au ciel. Qui a laissé la parole d'accepter aujourd'hui notre Père, selon l'homme qui a été établi par Jésus, de rentrer dans le ministère de la parole. Car tout l'exercice de ce ministère ne sont que la parole. Et le reste, c'est l'exercice de la parole. C'est-à-dire le don, le grâce, les dispensations, tout ça, ce n'est que le grâce que nous recevons. Mais la chose est par excellence, c'est déjà la parole. Ma soeur, aujourd'hui, parce que Dieu l'a voulu, parce que ton pasteur a eu cette relation privilégiée avec Dieu, selon son nom, nous te bénissons. Nous te bénissons selon l'homme du pasteur José qui t'a suivi. Et comme nous devons être témoins de la cause, nous te bénissons, te faisons rentrer aujourd'hui dans le ministère prophétique. De la fin de ce culte, tu peux faire une carte de visite écrit la prophétesse. Si les gens ne sont pas d'accord, tu viens nous voir. Alors là, on leur dira, nous on a vu Dieu. Amen. Alors les gens viendront pour dire après, oh non, personne ne veut voir Dieu vivre. Non, mon fils a vu Dieu parce que moi son père était vivre Dieu. Comme il est fils, mon fils à moi, il ne veut pas dire que je sois son père. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le père. Alors donc moi je prie Dieu. Amen. Notre Père et notre Dieu, par la puissance et la vertu que tu nous as donné, par l'ordre que tu as établi, tu as dit dans ta parole, j'ai laissé mon Église, premièrement aux apôtres, deuxièmement aux prophètes, et ensuite à tous ceux qui ont reçu le don de gouverner. Les pasteurs, les évangélistes, le docteur, afin que l'œuvre continue si dans l'autre temps tu ne le fais pas. Maintenant, comme nous sommes enfants de Dieu, nous accueillons et acceptons, selon ta volonté, confirmons, que aujourd'hui, à côté de ce jour, l'esprit de la prophétie, l'ainsi dit Dieu, sa présence, l'écoute, la prière, le temps, le moment de Dieu, à chaque instant, fait la diligence, grâce, pouvoir, autorité, lui soit accordé par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Maintenant, le monde sait que tu es appelé prophétesse. Seigneur notre Dieu, au travers de la bénédiction divine, il s'est passé plusieurs choses en ce qui concerne l'onction, la bénédiction et l'élévation. Nous voulons faire les choses bien, parce que nous sommes de la famille de David. Oh, quand David a été, ouais, Dieu dira ceci, prenez la corne, remplissez l'huile dans la corne. Parce que maintenant nous allons prendre la corne et nous allons jeter par terre. La corne ne se brisera pas. Oh, Saül qui n'a pas compris. Comme c'était le besoin des hommes, on lui a mis dans la bouteille. Et quand la bouteille est tombée par terre,
elle s'est cassée. Voilà pourquoi aujourd'hui, par l'ordre, parce que lui, tu es l'Esprit de Dieu, nous te déclarons devant les hommes et les femmes de Dieu, devant tous les témoins, devant tous ceux qui sont là, ministre de la parole, et que l'homme de Dieu qui t'a promis et pour la confirmation cela. Éternel notre Dieu, nous bénissons notre frère. Nous savons qu'à l'église, il y a plusieurs services. Nous ne le faisons pas en ce jour rentrer dans le ministère, mais il est rentré dans l'aide ministérielle. Afin que, au temps prévu par toi, ou au temps favorable, qu'il comprenne que c'est toi qui l'as appelé aujourd'hui. Demain, si cela plaît à toi, tu l'amèneras où tu as envie de l'amener. Seigneur, notre Dieu. Nous savons par excellence que le diable doit avoir une attitude pieuse. Tu dois être le mari d'une seule femme. Nous ne sommes pas de l'autre côté de la barrière, comme les autres fils d'Abraham, que eux ont choisi, parce qu'ils se sont souvenus que leur père, venant de l'Irak, pouvait aussi avoir plusieurs femmes. Nous t'interdisons au nom de Jésus. Diable, le choix est compliqué. Tu dois être le mari d'une seule femme. Tu dois conduire ta maison selon le voie de Dieu. Tu dois respecter le juste. Tu dois honorer ton pasteur. Tu dois être pour lui fidèle. Car cette parole que nous la donnons à des personnes fidèles. Et que ces personnes-là puissent conduire la suite de leur éternel notre Dieu. Nous croyons qu'il est un témoignage visible de l'Assemblée. L'Assemblée a reconnu en lui les qualités et les vertus d'un homme digne. Seigneur, il est dans le monde. Je ne voudrais pas qu'il soit castré dans ce monde difficile. Garde-le, protège-le, assure la sécurité. Nous savons que dans les éléments de l'esprit, la tête, le devant, le pied et le reste ont été protégés. Mais il était resté le dos qui était ouvert. Seigneur, nous mettons le Saint-Esprit derrière. Afin que le derrière soit aussi protégé par toi. Pour qu'il ne dise pas que la chair est faible. Il n'y a pas de chair faible. Il est devenu un homme spirituel. Or, le désir de la chair sont contraires aux choses de l'esprit. Nous le bénissons maintenant. Nous croyons que tu es Dieu. Et tous les hommes de Dieu ici en ce lieu, parce qu'ils ont adressé une parole dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Seigneur, notre Dieu, tu as dit la prière fervente des justes et des anciens est d'une grande efficacité. Seigneur, nous sommes efficaces, nous croyons que cela lui sera compté à justice. Notre Père, notre Dieu, je le bénis maintenant par la vertu de ta parole. Je le bénis maintenant par la vertu de ta puissance. Je le bénis maintenant au nom puissant de Jésus. Je le bénis maintenant afin qu'il comprenne que toi tu es Dieu. Je le bénis maintenant afin qu'il rentre dans l'exercice de la parole. Je le bénis maintenant afin que ce qu'il fera soit sous ton sceau. Je le bénis maintenant afin que le témoignage soit fidèle. Seigneur notre Dieu, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas dire que dans sa vie, que l'ennemi continue à rôder, qu'il ait le discernement, la sagesse, l'efficacité de comprendre le ruse du diable. Nous savons que la moisson devient maintenant difficile, le combat devient compliqué, mais nous savons aussi que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, pour nous rappeler, pour nous rappeler l'ainsi dit Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je donne l'ordre maintenant aux œuvres de la chair de quitter ce corps, de quitter ce corps et qu'elle soit remplie, que de l'Esprit de Dieu, par la puissance de ta parole, il n'est pas de Jésus, tu es la parole de Dieu. Béni soit ton Seigneur, au siècle des siècles. Sois Dieu dans sa vie. Béni soit Dieu. Nous le bénissons pour que la parole soit la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, maintenant, ton peuple a fait ce qu'il devrait faire. Il y a maintenant toi. Tu feras le reste. Nous bénissons ton esprit. Nous bénissons ton amour. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons tout ce que tu fais. Parce que nous considérons que comme
commencement à cette histoire. Et la suite est encore quoi? Demain, s'il plaît à Jésus de venir, nous devons être tous enlevés. Mais si Christ ne revenait pas, nous irons dans le repos. Dans le repos. Dans le repos. Avec Abraham. Parce que nous savons que tous ici, nous irons dans le ciel. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Par la puissance du Saint-Esprit et le peuple en accord avec moi et notre pasteur, nous disons simplement gloire soit rendue à Dieu et Amen. Amen. Alléluia. 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 Vous êtes béni. Vous êtes béni. Amen. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Avec les diplômes.
faut plastifier. Ah oui, il y a des diplômes d'État. Amen. Amen. Les annonces, vendredi prochain, ça sera la suite de notre enseignement sur le combat spirituel, de 18h à 20h. Et le dimanche prochain, nous allons recevoir un groupe de musiciens chrétiens qui vont faire la promotion de leur association. Le dimanche 20 décembre, ça sera une journée spéciale de l'Ecodim. Les enfants de l'Ecodim vont faire une surprise. Ils vont nous faire une surprise. Donc invitons nos amis, nos frères et nos bien-aimés. Pour la veillée du 31 décembre, vous serez informés du programme d'ici la fin de la semaine. Et les enfants de l'Ecodim vont répéter le dimanche prochain. Après les cultes, une petite réception est prévue dans la salle de l'Ecodim à côté. On va célébrer et le prophète de Ogracias à l'honneur de clôturer ce soir. Vous savez, avant de pouvoir clôturer, il y a une chose qui est très importante. La chose, c'est un prophète est un ami du Saint-Esprit. Le prophète est un ami du Saint-Esprit. Le prophète est un ami du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne communiquera jamais à des autres. Il communiquera toujours l'ordre. C'est pour cela que j'aime l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas prié par religion. Je ne peux pas clôturer le culte. Mais je vais juste qu'on sonne le fait qu'on va sortir. Mais notre vie qui est un culte continuera. Père, Jésus-Christ, Saint-Esprit, Elohim, voici que nous sommes arrivés à la fin d'un programme. Seigneur, ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as établi, Seigneur, personne ne pourra s'élever contre l'œuvre que Seigneur tu viens d'accomplir. Amen. Que celui qui se lèvera puisse ouvrir sur son chemin la personne de Jésus-Christ. Désormais, le combat de ta servante devient tes combats. Désormais, le combat de ton serviteur devient tes combats. Le juste, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, lui, en délivre toujours. Si c'est toi qui délivre, ça veut dire que tu as pris le combat. Alors Seigneur, laisse que l'Esprit de gloire, laisse que le Dieu tout puissant qui a établi des personnes dans le ministère et dans le mystère prophétique,